ancienne élève de l'Énil de La Roche-sur-Foron. Je suis sortie avec un BTS. Ensuite, je suis partie travailler à l'étranger. Donc, j'ai travaillé un an aux États-Unis, fabriquer du fromage de chèvre. Je suis technicienne monitrice fromagère à l'Énil de La Roche-sur-Foron. Quand on accueille les étudiants avec nous, c'est de leur transmettre le savoir-faire, la technique fromagère. Donc, leur apprendre la production sur tout son ensemble, du départ de l'arrivée du lait jusqu'à la sortie du produit, à l'emballage et à l'expédition. Et ils vont travailler avec nous tout au long d'une journée de production pour voir toutes les étapes de fabrication. Travailler avec les étudiants, on fait des cours, donc on voit tout ce qui est partie théorique sous forme de cours et de TD. Et après, on illustre ça de façon pratique en faisant des petites fabrications au sein des ateliers. Alors, ce qu'il y a de différent avec le travail des moniteurs, c'est que les moniteurs, ils font des fabrications à but d'être commercialisées, donc en grande quantité. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Nous, on fait des petites fabrications très variées, donc aussi bien des fromages que d'autres produits laitiers. Et là, les étudiants, ils sont plus en autonomie et plus libres de leur fabrication. Ils ont le droit à l'erreur puisque les produits ne sont pas commercialisés. Puis la grosse motivation, c'est de créer des choses par eux-mêmes et d'être source de propositions. Mon stage de deuxième année, j'ai décidé de le faire au Québec. Voilà, donc sur une exploitation. Pour découvrir un peu ce qui se passait dans d'autres pays, aller découvrir d'autres façons de faire, d'autres savoir-faire. Ma formation, c'est une formation qui m'intéresse, j'ai choisi de la faire, donc c'est vrai que bah, pour moi, elle est bien. Après l'école, c'est une petite structure, on est 12 dans la classe, donc on est hyper bien accompagnés, donc ça c'est super. Moi je suis en BTS, APT première année. J'avais fait 3 années dans le lycée agricole chez moi. Et après, je suis parti ici en France pour faire mes 5 années d'études. Et j'ai fait 2 années ici à l'Énil, parce que c'était sur la transformation des produits, qui c'était une chose qui m'intéressait bien aussi pour le futur. Et vu que chez nous, c'est une région francophone, on parle le français. Dans l'avenir, finis mon BTS et j'aimerais avoir une exploitation à moi sur la transformation, sur les tripes.